Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview vraiment exceptionnelle à plus d'un titre, puisque on est en train de prendre la Bastille avec Berg Guitare et cette vidéo fait partie de la série des vidéos Un musicien et son luthier. Donc à ma droite en casaque violette, j'ai donc Eddie Purple lui-même, exactement, tout de violet vêtu. Eddie, comment ça va déjà? Au top et toi? Moi super, ravi de te rencontrer pour de vrai. Apparemment, enfin. Ouais. Ok. enfin, il a fallu le temps quoi. Mais c'est trop bien. Exactement, moi je suis hyper content. Et donc en casaque, casquette, le luthier, l'artisan derrière cette chose, Jonathan, qui a pris la Bastille depuis quelques jours. Comment ça va, Jo? Pas tout seul, ouais, on a pris la Bastille depuis mardi, ça va. On commence à accuser les quelques jours parce qu'il y a eu du monde. Et ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup échangé, enfin tout ce qu'on voulait en fait, ça a beaucoup joué aussi. Les instruments sont en train d'avoir bien chaud et... C'est un bon baptême du feu, c'est le cas de le dire. Ouais, là ça, c'est une belle mise à l'épreuve. non, c'est cool, on s'éclate bien et puis en vrai, il y a plein de musique, là je pense qu'on entend en fond. Il y a des choses qui se passent, des masterclass, on a fait une belle programmation avec plein de gens qui ont répondu présent et qui sont venus aussi parce que ça leur faisait plaisir et donc c'est super bien, ça fait un bel événement, un beau rassemblement quoi. Exactement, donc bravo à vous et bravo à toute l'équipe qui a organisé ça. Eddie, raconte-moi un peu ton histoire, comment t'as rencontré cet hurluberlu là? Quelle est votre histoire? Qui a dragué qui? C'est moi qui l'ai dragué. Hein. D'accord. Il était un peu timide, non mais pas tant que ça en plus, je dis ça pour charrier, il était pas du tout timide. En fait j'avais une guitare folk que je jouais sur Oxmo. D'accord. Qui était tombée dans le train sur la tête du régisseur. D'accord. Donc elle est une acoustique, donc elle était fendue en dessous, fendue au talon. Et je suis allé à l'époque. C'était Viaduc des Arts chez Dupont. Ouais. Ah, Viaduc des Arts, à côté de la Bastille, ouais. Okay, ouais. Et j'arrive chez Dupont et je me dis, je vais pas trouver ce qu'il me faut, donc un luthier. Pour jamais y arriver, tout ça. C'était pas le dada des gars. Et c'est là que j'ai rencontré Joe qui travaillait là-bas. Ouais. Et il a regardé mon biniou dans l'état, il a fait « Boah, bonhomme, comment t'as fait ça ?» Je raconte l'histoire de la chute, ouais. Il m'a dit « Il n'y a pas de problème, on repasse la semaine prochaine. » Et le temps qu'ils mettent la guitare dans la housse, on commence à parler un petit peu. Ouais. Il avait fait la réparation en 3 jours, même pas, parce qu'il bossait sur plein d'autres trucs en même temps. Je repasse le voir et on re-tchatche un peu, c'était l'heure de fermeture, on continue de tchatcher un peu, on parle guitare et il commence aussi à me raconter, parce qu'à l'époque il faisait des guitares. Ouais, Guitare Lafay, c'est ça? C'était l'époque Guitare Lafay alors. Ouais. Elles étaient magnifiques, du coup il me parle de ça, je rentre à la maison, je vais voir ce qu'il fait. Et je me dis, oh putain, en plus le dead cool, le mec il est vraiment doué quoi. Et en fait on a sympathisé.